Bonjour, bienvenue dans l'instant créatif au vive. Aujourd'hui, première recette, le roulé à l'avocat. Pour cette recette, on a besoin donc de grandes tranches de truite au vive, banane, avocat, pomme Granny Smith, oseille, citron et fenouil. Pour démarrer la recette, on va mixer avocat, banane, oseille et citron. Donc je prends l'avocat, on va enlever le noyau. On va mettre à peu près un quart de banane pour une pièce d'avocat, quelques brins d'oseille et obligatoirement pour l'avocat, toujours un jus de citron, sinon l'avocat noircit. Donc on assaisonne sel, poivre. Donc voilà, on va mixer ce mélange. Donc la préparation est bien lisse, bien mixée et on voit tous les petits morceaux d'oseille un peu. Deuxième étape, nous allons étaler la purée d'avocat sur la grande tranche de truite. Alors on laisse toujours une petite partie au début pour pouvoir rouler plus facilement. Donc on roule délicatement et on continue jusqu'au bout de la truite. Pour pouvoir couper ce roulé nickel, on va, petite astuce, le passer quelques minutes au congélateur. Voilà. Donc on va récupérer un petit peu de notre purée avocat, banane, oseille, la mettre dans une poche, ce qui nous permettra de faire un petit point de décoration sur chaque roulé. Je vais récupérer mon roulé de truite que j'ai mis quelques minutes au congélateur. Voilà. Ce qui permet de légèrement durcir pour le couper plus net. On va pouvoir passer au dressage. Nous avons nos roulés de truite fumée à l'avocat, notre petite poche pour la décoration, le fenouil, on va utiliser en râpé très cru ainsi que la Granny Smith et récupérer les petites pluches de fenouil comme ça pour la déco. Et voilà mon roulé de truite fumée à l'avocat.